Bonjour. Monsieur, soyez le bienvenu. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Entrez. Moi, je m'appelle Omar El Jazouli. Omar El Jazouli, je ne vous dévoilerai pas mon âge, donc je suis né à Marrakech. Moi, je plaisante, j'ai 60 ans, donc à peu près la soixantaine. Et ma famille a 5 siècles de Marrakech. C'est un lotissement qui a été réalisé par des Français, qui s'appelait la société Hivernage. Comme vous allez le remarquer, c'est des petites surfaces de 1000 mètres carrés environ, de plus ou moins 10%. Et c'était destiné aux Français qui étaient là. Donc, pas mal de Français ont habité ce quartier. Et j'estime ce quartier de l'Hivernage comme étant le meilleur quartier de la ville de Marrakech. Soyez le bienvenu. Alors, ne vous attendez pas à ce que ça soit une grande maison, mais c'est une maison modeste. Voilà, donc la maison se divise en la partie cuisine et la salle à manger qui est à gauche. Vous avez mes chambres qui sont au nombre de 4 qui sont en haut. Et vous avez la réception. La réception qui est là. Alors dans la réception, nous, c'est un salon, c'est ce qu'on appelle le salon marocain. Ce salon marocain, c'est fait de cette manière-là. Ça permet d'abord d'inviter beaucoup de monde, parce que nous aimons inviter, nous aimons recevoir les gens. Et ça permet à ce salon, c'est reposant. Et puis à la limite, quand vous recevez des amis, ils peuvent quand même s'en servir pour dormir, parce que c'est des matelas quand même qui sont confortables. Si vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, vous avez la table du ftour, parce que nous sommes en période de Ramadan, et nous devons rompre le jeûne dans 20 minutes. La ville de Marrakech est une ville qui est très ancienne. Elle date à peu près elle a été fondée en 1062 par le roi qui s'appelle Youssef Ben Tachfine. Il y avait deux villes. Il y avait la ville européenne, qui est le Guiliz, là où nous habitons actuellement, là où il y a ma maison, et la ville marocaine, qui était distante à peu près de 4 km. Vous le savez que, pour des raisons de sécurité, les choses ont été faites de cette manière-là. Mais avec l'évolution de la ville fait que maintenant, les deux villes se touchent. Il n'y a plus justement un no man's land comme il existait dans le temps. Là, vous avez des tableaux ici, évidemment, des tableaux. Là, c'est un tableau orientaliste qui est de très grande valeur. Là aussi, c'est un tableau qui est de Ben Hellal. Ben Hellal, c'est un grand peintre de Marrakech. Là, c'est le tableau de Maître Zine aussi. Des tableaux de Moyal. C'est des tableaux. Et puis là, vous avez des tableaux qui datent de René Gall. Galard qui date depuis la Révolution française. Alors là, derrière moi, c'est un tableau magnifique du peintre Lhlou, qui est un Marrakechi aussi, qui est mort, le pauvre, et qui était spécialiste dans la fantasia. La fantasia, c'est donc les chevaux. Et faisait si vous le voyez, vous voyez les chevaux en action, c'est extraordinaire. Là, c'est une peintre de Essaouira, contemporaine actuellement. Elle vit encore ici. Vous voyez, donc, vous pénétrez dans le deuxième salon. Donc, si vous voyez le salon marocain, il y a un autre petit salon à l'européenne. Puis, vous avez ici un canapé, tout ça, où on peut regarder la télévision. Évidemment, vous avez des objets d'art. Par exemple, ce lampadaire qui est fait qui est très beau, que j'estime, avec des matériaux qui sont très beau et très noble.
un coiffeur de l'époque. Cette pratique n'existe plus que dans la campagne, n'est plus dans les villes, n'est plus pratiquée. Quand je suis devenu maire de la ville de Marrakech, mon premier souci, évidemment, puisque j'ai habité ce genre de maison, était justement de réhabiliter ces demeures et habiter ces réels. Donc la meilleure solution, c'est de les rendre maisons d'hôtes. C'est de permettre justement à celui qui veut d'acheter la maison des héritiers et de la restaurer, évidemment, tout en veillant à ce que notre service d'urbanisme veille à ce que la restauration se fasse vraiment dans les règles de l'art et conformément à la maison et à l'identique. Sauf une chose qu'on a dérogée, c'est l'installation de salles de bain dans des champs, parce que c'est tout à fait normal. Et les maisons d'hôtes n'auraient pas pu fonctionner s'il n'y avait pas ces salles de bain. Côté jardin, donc c'est là où quand il fait chaud, on se met là dans ce petit jardin. Vous avez une petite fontaine qu'on a fabriquée nous-mêmes, avec évidemment avec des artisans marocains. Maintenant, nous avons beaucoup de touristes qui achètent des maisons, non plus les riades, mais ils achètent carrément des hectares à la palmeraie, construisent vraiment de vrais palais. Ça devient aussi une destination golfique. Donc les gens, pendant l'hiver, viennent jouer ici au golf. Il y a aussi beaucoup de gens qui achètent de petites maisons, de grandes maisons, en fonction de leur bourse, et qui viennent passer quelques jours ici. Et en dernier lieu, nous avons beaucoup de Français qui sont devenus des résidents permanents à Marrakech. Puis vous avez ces dattiers, vous avez ces palmiers ici, très, très jolis et très beaux. Vous voyez l'autre qui est vraiment d'une grande hauteur. Et vous avez ces sapins aussi qui sont épais. Voilà, tout est fleuri, tout est... Moi personnellement, bien que la maison soit petite, je me sens très bien là-dedans. Je me sens vraiment chez moi. Bonjour, bienvenue. Marhaba bikoum. Si vous voulez bien. Alors, c'est la maison de Elie Mouyal et sa famille. Je suis un architecte à Marrakech. Je suis revenu après quelques années à Paris. Ça fait maintenant presque 25 ans que je travaille à Marrakech. Et cette maison est le fruit en partie de mon travail et en partie de l'histoire. Vous allez voir. Allez-y. Alors, en fait, cette maison a une histoire. C'est que je suis venu ici il y a une quinzaine d'années. Cette maison était une toute petite maison, assez fermée, assez obscure. Mais c'était une des premières maisons de la Palmeraie. Pas beaucoup de caractère. Et à deux reprises, j'ai dû pousser les murs avec la famille qui s'agrandissait et aussi l'envie de mieux profiter du jardin et du parc. Je suis venu ici d'ailleurs parce que ce parc était extraordinaire. Il n'y a plus beaucoup de vergers anciens dans la palmeraie. La palmeraie était d'abord, avant les palmiers, c'était d'abord des oliviers ou des cultures maraîchères.
Et donc là, on a quelques témoignages de ce qu'étaient les oliviers de la Palmeraie. C'est des oliviers qui ont presque 300 ans. Ça fait donc une quinzaine d'années. Et quand je suis rentré dans cette maison, je pensais avoir juste une couche de peinture à faire pour m'y établir. Et en fait, tous les 7 ans à présent, c'est un grand chantier. Donc on vient d'en sortir d'un deuxième cycle. Je ne sais pas quand c'est le troisième. Est-ce qu'on respectera la périodicité de 7 ans pour tout refaire? Nous n'avons pas changé complètement la structure de la maison parce que... Mais par contre, toutes les ouvertures, tout le rapport, les voûtes qui sont un petit peu ma spécialité professionnelle. J'avais des toits plats quand j'ai acheté la maison et donc j'ai refait des voûtes pour être plus à l'aise chez moi. Ce qui s'est avéré très important à l'usage, c'est d'avoir des terrasses couvertes. Parce que finalement, à Marrakech, on vit la plupart du temps à l'extérieur. Et donc chaque terrasse est un peu spécialisée. Donc il y a la terrasse salon, la terrasse salle à manger, etc. Ça, c'est la petite boîte orientale, le salon marocain. Alors généralement au Maroc, on fait des grands salons marocains, très, très fastueux, très grands. Mais ça, c'est la tradition ancienne où le salon reste encore à échelle où on peut se toucher la main. Ça, c'est la partie la plus récente de la maison. Nous avons construit une extension ici, une extension qui est la bibliothèque et en même temps un beau window qui ouvre côté nord, qui est un tour de force technique que je n'essaierai pas de faire chez mes clients. Faire une structure bois, cèdre, acier extérieur et verre au milieu, qui se trouve être étanche mais compliqué à mettre en œuvre. Pour un architecte, c'est très difficile de construire une maison. Moi, j'ai été servi et desservi par le fait que j'ai acheté une maison construite que je n'aimais pas, mais qui m'a déterminé et qui finalement fait que j'ai une maison qui me plaît aujourd'hui, même si ça s'est fait par réitération. Mais pour un architecte, c'est une solution de facilité de partir de quelque chose qui existe. Parce que la page blanche, autant on peut, c'est un exercice que l'on pratique pour les clients, on a suffisamment de détachement pour le réussir, mais quand il s'agit de soi, on devient comme un enfant qui ne sait plus dessiner. Et donc j'espère que j'aurai le savoir-faire après une trentaine d'années d'expérience pour faire ma propre maison ex nihilo. Ça, c'est effectivement des colonnes de baldaquin, mais là, c'est des frises qui viennent d'une maison et la coupole vient encore d'une autre maison, de la Médina. Donc, en fait, c'est aussi un assemblage de pièces anciennes. On a deux enfants. Donc je vous emmène à l'appartement de l'étage. Mon bureau, ou du moins ce qui tient lieu de bureau. Le plafond, ce sont des troncs d'eucalyptus avec des lauriers peints, qui est une tradition du sud du Maroc, de Tata. Les architectes ont l'habitude d'oublier les rangements. Donc en refaisant la maison à deux reprises, finalement je crois que j'ai réussi à faire assez de rangements. Ici on est dans une salle de bain qui est aussi une extension, comme vous voyez, c'est de la brique, avec un plafond qui est un petit peu une allégorie de palmier.
Chaque espace est un peu caractérisé par son plafond. Et c'est le plafond qui donne le caractère de chaque pièce. Ici, on a des croisées d'arc qui donnent encore plus de hauteur qu'il n'en paraît. Ce ne sont pas des bois anciens, mais c'est un travail de poésie à Agadir. Un autre type de terrasse, très orientale, des coussins et surtout de l'air. C'est donc une pièce à la fois presque fermée, mais qui reste une pièce d'extérieur. Et en fait, on a aménagé plus d'espace qu'il nous en faut, qu'on ne peut occuper. On finit par se réfugier toujours dans les mêmes coins de la maison. Vous avez vu qu'on a pris un malin plaisir à fabriquer nos interrupteurs avec de la corne et du bois de cèdre. Alors généralement, c'est le moment d'aller à la piscine, donc si vous voulez, on va aller faire un tour de jardin. En fait, notre piscine ancienne démarrait ici autour de cet olivier. Et puis dans le dernier réaménagement de la maison, on a choisi de faire migrer la piscine plutôt au fond du jardin. Dans ce jardin, j'ai longtemps cherché à imaginer, à échafauder des plans pour ce jardin. Mais la présence des oliviers est si forte, c'est que olivier plus gazon, et en fait le jardin est déjà fait, il est très difficile d'apporter de nouvelles choses. Donc on a réussi à créer une petite clairière de rosiers et une colline de cactés, mais à part ça, c'était difficile d'imaginer un autre concept que l'existant, quoi. Et en fait, ce bassin d'irrigation existait, puisque c'était une ancienne ferme. Et on l'a donc reconverti en piscine, moyennant quelques aménagements, en particulier ce pavillon. Et j'ai fait ce que mes clients ont toujours refusé de faire, c'est de me suivre pour des piscines noires. Et là, je crois que la démonstration est faite qu'une piscine noire est une idée intéressante pour la qualité de son reflet. Je suis particulièrement fier de cet olivier. Enfin, ils sont tous très beaux, mais il y en a qui sont impressionnants par... Là, on sent les siècles passés, là. Ah oui, on ne partira pas sans que je vous montre la cabane dans l'arbre des enfants. Je crois que c'est plus ma cabane que celle des enfants. Mais enfin, je l'ai fait dans la tradition des cabanes d'arbres. C'est quand même comme ça que j'ai commencé à être architecte, en faisant des cabanes dans les arbres. Cette terrasse est le patchwork fait avec tous les éliges d'échantillons qui me restent des différents chantiers. Et donc c'est un patchwork plutôt réussi. Bien sûr, cet arbre était avant nous. Et lorsqu'on a dû construire l'escalier qui monte à la terrasse. Donc ça, c'est un peu le donjon. Encore un petit effort.
Là, on est au cœur de la palmeraie, il y a très peu de voisins. En tout cas, pas visible. Il y a encore de vastes étendues par ici. Marrakech est quand même une ville très prenante. Et comme je vous dis, quand je suis parti faire des études, c'est pour faire des études d'architecture moderne. Et je ne pensais pas du tout, après 7 ans à Paris, que j'aurais une réaction, mais qui est finalement très personnelle, très intérieure, une réaction de rejet et l'envie de venir et de travailler uniquement sur ce qui était de plus fondamental, de plus ancien. On est à la fois très près de la ville et très loin. Bonjour. Bonjour. Christine Alaoui. Et moi, Aziz Alaoui. Bienvenue. Merci. Entrez. C'est une maison de 1930, pure 1930, voilà. Qui a été construite entre 28 et 1930 par un héritier de la famille Audibert, qui sont la famille des petits savants de Marseille. Et cette maison a toujours appartenu à cette famille jusqu'à ce qu'elle ait été achetée et acquise par la famille Alaoui. Voilà, depuis 18 ans. Un beau jour, un ami m'a dit, tiens, je me promenais en calèche sur le circuit de la Palmeraie et on a vu une maison abandonnée, on donne un peu d'argent au gardien, on peut visiter le parc qui est totalement abandonné, et c'est merveilleux, tu devrais venir voir. Et on n'avait pas les clés de la propriété. En fait, on n'a jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais seulement le parc, qui était dans un très très mauvais état à l'époque. La maison avait été abandonnée pendant 20 ans ou quelque chose comme ça. Tout est d'origine. Nous avons gardé tous les sols, les poignées de porte, les clés, les ferronneries. Enfin, tout est d'époque. On n'a absolument rien changé. Tout est dans son jus. Même les portes, ça c'était typique des années 30, les portes en aluminium. Alors, quelque chose qui me bloque énormément dans cette maison, c'est qu'elle est supportée par deux piliers en marbre. Et c'est du bloc de marbre. C'est-à-dire qu'ils ont très certainement été taillés sur place, et tout ça en 1930. Alors ça, on va vous montrer, parce que c'est notre fille, dont nous sommes très fiers, qui habite New York maintenant, et qui a été photographiée pour ses 18 ans par un mythe de Marrakech, notre ami Serge Lutens, voilà, qui est un personnage assez étonnant, que tout le monde connaît à Marrakech. Voilà. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait aussi ces meubles. Ces deux totems, moi je les appelle des totems, sont des meubles dessinés par Serge Lutens, ainsi que cette petite commode. Femme typique, taille nature de Essaouira, la femme Haïk, qui était faite et sculptée pour cet endroit par un ami qui est sculpteur-peintre à Essaouira, qui est là-bas depuis des années, oui. Qui s'appelle Michel Vu. Michel Vu, oui, que tout le monde connaît aussi à Marrakech. Et nous allons passer à la fameuse salle à manger. C'est une
une salle à manger qui était dans la Villa Taylor, chez la comtesse Boule de Breteuil. Bon, moi j'aime citer le nom des femmes, Ava Gardner. Rita Hayworth et Laga Khan ont passé leur, nuit leur voyage de noces dans la Villa Taylor. Churchill et Roosevelt ont signé un amendement au traité après-guerre autour de cette table. Et Charlie Chaplin a fait la fameuse scène des petits pains sur cette table. Hitchcock, quand il est venu tourner à Marrakech, évidemment, il a dîné. Et puis les Kennedy, Yves Saint Laurent, de nombreuses fois, parce que c'était un ami de Boule de Breteuil. Et toutes les stars du monde entier, en fait. Cette table, vraiment, c'est une salle à manger très historique et qui a beaucoup vécu. Nous avons ici un havre de paix, on entend les oiseaux, on entend l'eau, et pendant le ramadan, on entend le musée, n'est-ce pas ? Alors, le jet d'eau date aussi des années 30, on ne l'a pas changé. Nous n'avons pas planté les palmiers, ils sont venus se mettre là-bas tout seuls. Un jour, on a eu la visite de Ricardo Bofill qui nous a dit « Surtout n'écoutez personne et ne changez absolument rien. Cette maison est sublime et ne changez rien. » Et bon, il avait tout à fait raison. Parce que maintenant, je regrette même d'avoir enlevé la cuisine qui était d'époque. Et on a absolument tout gardé. Il n'y avait pas d'électricité ici. Donc les gens ont toujours eu leur propre groupe. Donc ils produisaient leur propre électricité. Et donc, ils pompaient aussi leur propre eau. J'ai gardé la moitié. Nous avons l'électricité de la ville, mais nous n'utilisons que l'eau du puits de chez nous. Je n'ai pas l'eau de la ville. Donc, j'ai gardé un petit peu la moitié de la tradition. C'est la saison des dattes en ce moment. Donc, vous voyez plein de dattes qui tombent. Et il y a de grosses cartes qui viennent vers vous quand vous arrivez. Là. Ça c'est intéressant, ce sont des photos qui ont été faites pour un Vogue il y a quelques années par Peter Lindbergh. Et ces deux photos ont été faites ici dans la maison. C'est une photo du palmier d'ailleurs qu'on vient de vous montrer. Et Elena Christiansen, et ça c'est fait à la terrasse de la maison. Et c'était une série assez fameuse pour Vogue. Et de l'autre côté, vous avez le travail de notre fils et de son ami qui expose dans des galeries à New York. Ils ont beaucoup de succès. Ça, c'est leur travail. On va surtout vous montrer les salles de bain qui sont assez étonnantes dans cette maison. Pour les 30 ans de la maison Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve est venue faire un reportage dans la maison et elle a été habillée avec toutes les robes du soir, les plus somptueuses des 30 ans de la maison Saint Laurent. Et on l'a photographiée dans la baignoire, à la terrasse, dans l'escalier. Enfin, c'était assez amusant. C'était un des bons souvenirs de cette salle de bain. Deuxième salle de bain en onyx. Aussi certainement importé d'Italie à l'époque, parce qu'on ne travaillait pas l'onyx à cette époque au Maroc. Et quand on est dans la baignoire, on a l'Atlas en face. On le voit beaucoup moins maintenant, en fait, parce que tous ces arbres ont beaucoup poussé, mais à l'époque, dans les années 30, ils devaient les voir beaucoup mieux que nous. Ça, c'est joli. Je crois que mon fils vous l'a montré. Ça, il y a une très belle vue là de. C'était le château d'eau de l'époque aussi. Oui, alors voilà, l'eau vient à la maison par gravité, et elle monte jusqu'au château d'eau et le château d'eau distribue l'eau dans toute la maison. Alors voilà le solarium, le fameux solarium.
Vous voyez combien la Palmeraie est construite. C'était... Alors avant qu'on se mette là, on ne voyait aucune maison. Vous voyez aucune maison, c'était des troupeaux de... des troupeaux d'agneaux et de brebis. Maintenant, ça a changé. Mais... La certitude que Marrakech a changé, a totalement changé depuis surtout les 4, 5, 6 dernières années. Et puis je dois vous dire, pour quelqu'un qui a vécu pendant 25 ans à l'étranger, la moindre des choses, c'est d'accepter que les étrangers viennent s'installer dans mon pays. Donc moi, je vois ça d'un très bon œil. Ces maisons, souvent, tombaient en ruine, donc c'est très bien que les étrangers soient venus pour les restaurer, parce que beaucoup de maisons se sont écroulées à Marrakech ces dernières années, parce que personne ne les entretenait. C'est bon. Alors évidemment, quand c'est dégagé, on a l'atlas juste devant soi, on peut tendre la main et le toucher. Bonjour, je suis Christophe Wacher, bienvenue à la Casa Rossa, à Marrakech, dans la Palmeraie. Entrez. Alors, cette maison avait été construite par un ingénieur, un colon, dans les années 70. Et il avait fait ce jardin magnifique. Et construit cette maison qui était assez petite et tout à fait atypique de Marrakech. C'est vraiment une maison de colon, maison d'ingénieur. C'était une maison en forme de T, très sommaire, sans aucune fioriture, sans aucun décor qu'on voit d'habitude ici à Marrakech. Et ça crée une opportunité très amusante de faire quelque chose qui soit à la fois marrakchi et en même temps un peu différent. Je dis que cette maison est construite, vous verrez quand vous en ferez le tour, un petit peu comme un magnifique hôtel de passe du 19e. J'aime beaucoup cette idée, elle est un peu cinématographique, elle est assez décorée avec des changements d'atmosphère qui sont très grands. On va rentrer dans le salon. Alors, ce qui n'est pas typique dans cette maison, c'est qu'il n'y a pas de, pour Marrakech, en tout cas, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de petite niche, il n'y a pas d'arcade, il n'y a presque rien de ce qu'on voit dans les maisons traditionnelles marrakechies, ni dans les maisons qui se font généralement. Par contre, on a utilisé vraiment les techniques et les matériaux locaux, mais dans un ensemble qui finalement structurellement est très 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 pur, très simple. C'est une maison qui était en forme de T. Dans la relation que j'ai avec ce client, pour lequel c'est le troisième ou le quatrième projet que je fais, il y a une espèce de confiance, c'est qu'il sait que je sais le faire. Donc il est confiant dans ma capacité à donner une forme à un projet qui est plutôt chez lui un projet qu'il ressent comme des sensations, des atmosphères. Il dit « je voudrais sentir ceci, je voudrais sentir cela ». Et il sait que moi, je vais lui proposer concrètement des formes, des couleurs, des matières qui vont aller dans ce sens-là. Je dessinais un truc et puis il me disait « c'est pas assez, c'est pas assez sexy ». Par exemple, certaines des chambres étaient faites un peu comme des chambres d'hôtel. J'avais dessiné les mêmes salles de bain partout. Il m'a dit non, il faut qu'on ait envie de changer de chambre. Il faut que quand on vienne dans cette maison, bien, si on y est venu une première fois, on a dormi dans cette chambre-là, la fois d'après, on va se dire je dors dans l'autre. Et donc, il y a des changements d'atmosphère qui sont très, très grands. La maison, dans son plan très simple, elle fonctionne sur deux axes. L'axe de la maison et l'axe du jardin, qui est déterminé par la forme de H de la maison qui cadre la vue sur le jardin, puis une piscine, un canal et le hammam qui est dans le fond. Et l'autre axe qui traverse fait le patio, ce salon familial.
Et puis, ce qu'on trouve souvent, une espèce de cuisine, salle à manger extérieure. Derrière, il y a l'office et la cuisine. Alors cette pièce-ci, elle est assez amusante parce qu'il avait trouvé des planches qui sont des planches d'érol. Vous voyez les planches d'érol, vous avez connu ça à l'école. Mais il les avait trouvées en arabe, des planches d'herboriste. Donc on les a mises là. On a eu pour faire cette maison une collaboration avec d'abord une architecte locale, une architecte belge mais qui vit au Maroc depuis 25 ans, qui s'appelle Christine Rofian, qui est une femme formidable, qui parle la langue, qui connaît tous les métiers, qui connaît toutes les subtilités qu'on peut avoir dans les relations avec les corps de métier ici. C'est pas facile pour une femme, et qui connaît des artisans extraordinaires. Donc là, on voulait cette atmosphère 19e, très sombre, pour contraster avec la lumière très forte du jardin. On va commencer par la seule chambre dont on puisse dire qu'elle a un caractère mauresque. Vraiment. C'est la chambre blanche. C'est typiquement ce que m'a demandé mon client. La salle de bain, elle était fermée. Cette chambre est plus petite que les autres. Elle fait 5 sur 5, alors que les autres chambres font 7 mètres sur 5. Et alors, il m'a dit, on va l'ouvrir, celle-là. On va l'ouvrir sur la chambre. Et c'est chaque fois aussi parce qu'il pense qu'on vient ici en vacances. On vient pour le plaisir. C'est un homme et une femme qui viennent ici, deux hommes, deux femmes. Il y a ce jeu intéressant, on va se voir dans la salle de bain, on ne va pas se voir. Tout est hyper, hyper confortable parce qu'il y a chaque fois la baignoire, la douche, les deux lavabos, le wawa et même le bidet généralement. Et alors cette chambre-là, elle a sa petite terrasse à l'arrière. Elle est divine cette chambre. Elle est du côté nord, elle est plus fraîche que les autres, ces chambres qui sont de ce côté-ci. La maison elle est vraiment nord-sud, la piscine est vers le sud. Ah oui, alors une autre chose qui est amusante, dans toutes ces chambres, on rentre à travers les armoires. C'est un détail que j'aime énormément, j'aime bien que quand on ferme la porte, on ne comprenne plus par où on est rentré dans la chambre. J'aime bien les choses qui sont un peu embrouillées dans la lecture, ou en tout cas qui à certains moments peuvent amener de la confusion. J'aime bien ça, moi. J'aime bien une certaine forme d'ambiguïté qui, à mon avis, et ça, c'est intéressant dans la relation avec ce client qui a aussi un caractère érotique. Je ne vais pas dire pervers parce que j'espère que je ne le suis pas trop, mais j'aime bien cette forme, oui, cette forme de pervertissement. J'aime bien ces détournements. Et forcément, ça marche très très bien avec ce client-là. Donc la porte, elle est là et elle est traitée de la même manière que l'armoire. J'aime bien ça. J'aime bien le fait que ce soit pas tout à fait lisible. Alors, ce que ça fait aussi, c'est qu'il y a, de nouveau pour des questions de confort, il y a chaque fois un sas pour entrer dans la chambre, comme ça donne directement sur le salon, qui ne voulait pas qu'il y ait le bruit, on ne doit pas entendre ce qui se passe ici, mais on ne doit pas entendre ce qui se passe là. On traverse chaque fois par deux portes. On rentre dans une chambre qui est tout à fait différente. Il y a un côté plus Napoléon III. J'aimais bien l'idée de faire quand même quelque chose dans cet esprit-là, en utilisant les carreaux de ciment qui sont typiques d'ici, mais en les traitant comme un tapis, c'est-à-dire qu'il s'arrête avec un bord, et puis le resserrage vers le mur est fait dans les petites briques traditionnelles qu'on appelle les bechmates. Et puis il y avait l'idée de traiter les murs comme un papier peint, papier peint 19e, mais dilaté, et alors dans des couleurs qui ne sont pas tellement typiques, qui sont ces amandes, aubergines et jaunes, par exemple pas noir et or, pas noir, rouge et or. Et le résultat, j'aime énormément, j'aime bien, ça a été très compliqué, c'est très compliqué de faire tracer des lignes droites. Sur un chantier comme ça, on refait tout deux ou trois fois.
On va rentrer dans la chambre des maîtres. Je peux entrer ? Elle est dans sa salle de bain. Si je rentre, je vais aller dans la salle de bain aussi. Pas de problème. Je peux. On y va. Voilà, ça c'est la chambre principale. Donc elle a exactement la même forme que celle qu'on a vue en aubergine et amande. Mais le traitement est tout à fait différent, ce qui fait qu'elle ne se lit pas de la même manière. Là, c'est, sur les murs, c'est du tadlact qu'on a fait ciseler, donc on a créé des bandes. On a le même système de l'armoire qu'on traverse, mais toutes les moulures sont beaucoup plus simples. Ici, vous voulez quelque chose de plus sévère. L'énorme miroir en tête de lit traduit bien la préoccupation récurrente dans cette maison du plaisir. Le lit, d'ailleurs, démesuré aussi. Alors, ce qui est de fantastique à Marrakech, c'est qu'on trouve des artisans qui vous font des draps de n'importe quelle taille. Et donc, ce lit, à mon avis, à deux, ça suffit pas. Et la salle de bain est assez amusante parce qu'elle a aussi un caractère très différent. On a pensé à ce qu'avait été la Mamounia à l'origine, et donc elle a un côté salle de bain, un côté un peu art déco, mauresque art déco. Alors là aussi, il y a un truc qui est amusant. C'est que cette salle de bain a une fenêtre, mais comme ils voulaient avoir deux lavabos face à face, on a fait un système qui fait disparaître la fenêtre quand on veut se regarder dans le miroir. Comme ça. Voilà. À ce moment-là, il n'y a plus de fenêtre. Et si on veut avoir la lumière, on l'écarte. J'adore ces trucs-là. C'est comme passer à travers les armoires, escamoter les fenêtres. Tout me plaît là-dedans. Tout me plaît dans le travail qui a été fait. Et maintenant, on va aller voir ma chambre. Ça, c'est la chambre des célibataires. Le lit est un peu plus petit. Donc, il y a la cheminée, cet ensemble aussi qui est le dressing. Ici, il y a la borne internet, donc l'ensemble dressing bureau. On va sortir par le jardin. C'est pas mal. Hein. Donc, derrière, tout ça existait. Il y avait cet ensemble de palmiers, d'oliviers qui était vraiment merveilleux et qu'il fallait absolument conserver. Donc, tout le jardin a été conservé, on a planté des trucs en plus. On traverse pour monter sur le toit. Il y a deux trucs qu'on comprend. C'est la beauté du jardin et pourquoi il était intéressant que cette maison reste une maison de plein pied. Parce qu'on aurait pu construire un étage au-dessus. Mais alors, si en construisant un étage au-dessus, on flottait au-dessus des plantations, on voyait les voisins et c'était moins bien. Tandis que là, comme c'est là, en étant en bas, on est tout le temps dans le jardin. L'histoire que je me raconte quand je fais cette maison, c'est que ce client pense énormément à l'intimité, au plaisir que pourraient avoir ses invités dans cette maison. Au fond, il pense énormément au fait qu'on va faire l'amour dans cette maison. Et ça, c'est l'histoire que je me suis racontée quand je la dessinais. Je me suis dit, il faut qu'on ait vraiment envie de ça, il faut qu'on ait envie de changer d'atmosphère. Et c'est l'histoire de cette maison-là. Une autre maison raconte une autre histoire. Je suis Omar Jazouli, le maire de la ville de Marrakech. Vous avez les meilleurs endroits. Marrakech est de toute beauté. Donc on ne peut pas dire qu'un endroit est plus beau que d'autres. Marrakech est très joli et très belle. Tous les coins et les recoins de Marrakech vous inspirent quelque chose. Mais vous avez du côté jardin, vous avez le jardin de Arst Moulay Abdeslam qui est en face de la mairie. Et qui a une surface de 9 hectares.
Et c'est un jardin que j'affectionne beaucoup parce que anciennement, il appartient à un prince alaouite de la dynastie régnante actuellement et qui était aveugle. Et il a tenu absolument, lui, à planter les arbres, les types d'arbres lui-même, qu'il imaginait certainement, puisqu'il était aveugle, il ne les voyait pas. Et ça a donné un très beau jardin que la ville, avec Maroc Telecom, a rénové en installant des cyber dans ce jardin. Donc, on peut aller se promener tout dans le jardin tout en étant connecté avec, avec le monde. Côté restauration, vous avez un très beau restaurant, très beau, qui était un ancien riad. C'est une maison de l'ancien pacha de la ville de Marrakech qui s'appelle Warzazi et qui maintenant est devenu La Baraka. C'est devenu le restaurant La Baraka. Et c'est un restaurant authentique marocain où on mange vraiment des plats authentiques de cuisine marocaine, la vraie cuisine marocaine. Il se trouve en plein centre de place Jemaa el Fna, à côté du commissariat et à côté d'une maison d'un monsieur qui est très connu dans le monde du sport, c'est Jean-Claude Darmon. Le monde branché, vous avez un endroit exceptionnel qui a vu le jour il y a 2 ans à peu près et qui s'appelle le Pacha. C'est un restaurant, discothèque, où vraiment vous pouvez manger très bien, vous pouvez vous amuser, vous rencontrez un tas de monde, beaucoup de jeunes, pas jeunes, etc. Donc vraiment l'ambiance est très branchée. Vous avez aussi un lieu que j'affectionne beaucoup, c'est chez Ali. Chez Ali. C'est un monsieur qui a eu le courage d'implanter des tentes caïdales et qu'on a fait un restaurant marocain avec un folklore marocain, donc tout le folklore marocain que vous voyez soit à la plage Jemaa el Fna, soit dans la montagne et tout ça, ça fait que vous le retrouvez le soir, vous mangez et puis vous avez le spectacle, vous avez la danse du ventre, vous avez la fantasia, vous avez les chevaux, les danseurs, les gnawa, les ahwaj. Et c'est extraordinaire, je trouve ça, pour quelqu'un, pour un étranger, le fait de voir ça, il est tout de suite en contact avec la réalité. Enfin, la réalité, le folklore est authentique. Et c'est un endroit, à mon avis, où un lieu de passage maintenant de tous les touristes qui viennent à Marrakech, automatiquement vont chez Ali.